Aujourd'hui, on va voir comment enregistrer des points clés dans Motion. Animer un objet, c'est faire évoluer une ou des valeurs d'un ou plusieurs de ses paramètres sur un temps donné. Créer des points clés vous permet de définir ces valeurs et le temps pour aller de l'une à l'autre. Pour les valeurs, c'est dans l'inspecteur que ça se passe, à l'aide des curseurs ou en rentrant manuellement une valeur. Pour le temps, c'est la position de la tête de lecture qui est déterminante. Voici un projet en 1920 par 1080. 25 images par seconde et d'une durée de 5 secondes. Rendez-vous dans la bibliothèque, puis contenu, et dans le sous-dossier faune, sélectionnons l'objet B. Faites-le glisser dans votre composition. Nous allons animer l'abeille pour qu'elle traverse le canevas de droite à gauche. Dans son inspecteur, c'est donc le paramètre de position X qui nous intéresse. Pour commencer, nous allons définir sa position au début du projet. On se soucie d'abord du temps. Je vérifie donc que ma tête de lecture est bien au début, aidez-vous du raccourci FN flèche de gauche si ce n'est pas le cas. Rentrons ensuite une valeur de 800 pixels sur sa position X et cliquez sur le losange au bout de la ligne pour valider le point clé. Le losange devient jaune, ce qui confirme qu'il y a maintenant un point clé d'enregistrer sur l'image actuelle. La valeur est également devenue rouge, c'est le cas pour un paramètre, dès lors qu'il y a au moins un point clé d'enregistrer sur ce paramètre. Il nous faut maintenant définir une autre valeur et le temps pour aller de l'une à l'autre. Commencez alors par déplacer la tête de lecture, par exemple à 2 secondes. Aidez-vous du timecode ici. Puis cliquez de nouveau sur le losange dans l'inspecteur pour enregistrer un deuxième point clé. Il vous reste alors à changer la valeur. Cette fois, nous allons rentrer moins 800 pixels. Maintenant, l'abeille va se déplacer sur l'axe horizontal, l'axe des X. De 800 pixels à moins 800 pixels et va mettre 2 secondes pour le faire. Les points clés sont apparus dans la timeline. Si ce n'est pas le cas, cliquez cette icône ici pour les afficher. On peut ralentir ou accélérer l'animation en déplaçant simplement le deuxième point ici, par exemple à 4 secondes. Pour effacer un point clé, deux options. Soit dans l'inspecteur, vous cliquez sur un losange jaune. Vous pouvez également réinitialiser le paramètre, ce qui effacera tous les points clés enregistrés pour ce paramètre. Soit dans la timeline, avec un clic droit sur le point clé, puis supprimer les images clés pour effacer le point clé sélectionné. L'option Supprimer toutes les images clés effacera tous les points clés enregistrés pour cet objet. Allons un peu plus loin. On a vu que les valeurs d'un paramètre deviennent rouges dès qu'un premier point clé est enregistré. Ce qu'il faut comprendre. C'est que ce paramètre est alors en pause enregistrement, c'est-à-dire que si 1. je change la position de la tête de lecture et 2. je modifie la valeur du paramètre, ici la position, ou même simplement en déplaçant l'objet intuitivement dans le canevas, alors un point clé sera automatiquement enregistré, même si je n'ai pas cliqué sur un losange pour l'enregistrer à la main. Attention donc si vous jouez avec la position de la tête de lecture et changez les valeurs d'un paramètre sur lequel au moins un point-clé est enregistré, car vous pourriez vous retrouver très rapidement avec plein de points-clés indésirables. Expérimentez ces techniques sur une animation simple pour pouvoir les combiner et vous adapter selon les situations. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt sur le blog.